messieurs, dames, bonjour. Ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, il y a un peu de musique parce qu'on va recevoir quelqu'un, enfin, on reçoit quelqu'un. C'est quelqu'un qui est moche, qui ne sait pas danser, qui fait très bien la pâtisserie. Donc, c'est pour ça qu'elle est avec moi aujourd'hui. Vous l'accueillez ? Allez, venez. Manuel ? Hey ! Tu vas bien ? C'est pour ça que je fais le live, pour lui faire la bise. Que pour ça. Et Laetitia, évidemment, qui est toujours avec moi. Bonjour. Voilà. Ça va ? Bon, bah, on vous regarde. On va danser. Allez, tous ensemble, on lève les mains. Et maintenant, à gauche. Allez, à droite. À gauche. Non, mais moi, je danse pas comme ça. Gauche, droite. Hey, hey. Je suis pas avec mes amis. Hey, hey. Alors, vous aimez ? On shake les maracas, non ? Non, mais moi, j'adore. Dans sa vie pastard. Ok, on va faire. Bon, on va arrêter le rock. Hein, parce que... En fait, il veut danser, il ne veut plus pâtisser. Ben, je crois que je sois plus jeune, plus beau, plus mince, plus grand, enfin tout ça. Attends, je suis vieux, je suis moche. Mais non. Non, mais je fais quand même. Bon, allez, on y va. Donc, c'est vous qui allez tout faire. Vous saviez pas ça. Par exemple, c'est vous qui allez tout faire. On va commencer par la crème au mascarpone. Alors, c'est très simple, la semaine dernière, on devait le faire. C'est bon, vous avez les commentaires ? Oui, c'est tout bon. La semaine dernière, on a eu un bug à Rennes. C'est de la faute de Laetitia, comme d'habitude. Donc, on a eu un bug. Ça marche pas. Ça ne fonctionnait pas. Et donc, on refait la même recette, cette fois-ci en direct. D'accord. Avec vous. C'est un grand plaisir de vous accueillir, Emmanuel. Ben, je suis ravie d'être super. Ici. Ravie. Vous rendez compte, Laetitia, Emmanuel. Je vais changer de femme bientôt. Alors, on y va. Donc, là, vous avez de la crème du mascarpone, vous savez, ce fromage italien. Oui, j'adore. C'est magnifique. Et là, vous avez un petit peu de jaune d'œuf. Donc, vous allez commencer par mélanger, s'il vous plaît, si vous voulez bien, les jaunes d'œuf avec le mascarpone. Ah, donc c'est vraiment moi qui le fais Oui, c'est vous. Bon, je dois dire quand même, je suis très. Vous avez la marise qui est là. Voilà. Hop, et je mets ça là-dedans. Bah, c'est facile, il y a juste à mélanger. Mais c'est assez. Non, c'est compliqué. Je suis stressée, moi. Oui, je m'en doute. Hop, donc nous sommes ici. Voilà, et, là, et vous mélangez. Et hop, et on touille. Ah, j'en ai partout. Rapide. C'est plus ou moins comme ça. Mais c'est comme ça qu'il va faire. Parfait. Là maintenant, regardez, Laetitia, elle vous met la gélatine. Continuez de mélanger. D'accord. Vas-y, mélangez bien. Voilà. Voilà. Bon, évidemment, on a fait un petit peu de pousse à l'avant, pour cas où, parce que. Parce que. Non. Mais non, c'est pas vous. C'est pas vous. Là, vous pouvez vous arrêter. Ah, une fois que c'est. Il a vu, ensuite, on va incorporer la crème montée, dans laquelle il y a du sucre glace. Ok. D'accord. Allez-y. Okay. La crème montée, il faut mettre tout, hein, Laetitia. Oui, chef. Non, mais Laetitia, je regarde juste s'il faut la remonter un petit peu, chef. Il faut la monter ou pas ? Il faut la monter. Un chouïa, je leur donne un tout petit coup, chef. Un petit coup, allez-y. Spécialiste de la crème montée. Je vois ça. C'est juste pour, voilà. Juste pour dire, mais c'est parfait. C'est vraiment top, hein, mais. Ah oui. Des années d'expérience. Allez-y, je vous en prie. Donc, la crème montée avec le sucre glace, directement. D'accord. Dans la crème mascarpone. Ah bah, c'est autre chose pour danser avec ça. Ah, c'est un peu plus compliqué là. Là, j'ai l'impression pour le coup. La pression, je vous explique pas. Alors, attendez, mais vous avez fait ça très joliment. Il ne restait plus rien. Pourquoi moi, il reste tout là ? C'est ça. Je crois que je n'ai pas. C'est comme si je me mets à danser avec vous, oui. Ça va être un peu la même chose. Non, je pense que ça sera très bien. Oui, bien sûr. Vous en pensez quoi, Philippe, sur Danse avec les Stars ? Si, ben, ouais, il faudrait que je fasse un peu de poids, hein, mais tout ira. Vous avez besoin de votre mari pour pouvoir me faire. Après, j'aurais pas de stress. Ça, c'est sûr, je serai pas stressé. C'est peut-être la seule chose qui sera bien, c'est que je serai pas stressé. Ah, mais voilà, parce que moi, là, je suis très stressée quand même. Parce que, ben oui. Alors, il faut mélanger, voilà, délicatement. C'est surtout pour vous, parce que vous êtes en train de vous en mettre partout. Très délicatement. C'est très délicat ce que voilà, je parle. Comme ça. Exactement. Avec amour. Avec, voilà. Voilà. Dextérité, puis amour. Dextérité, puis, amour. Gentillesse, bienveillance. Bienveillance, ok. Toutes ces qualités. Que vous avez. Voilà, et là, c'est fini. Il y aura juste le reste de flamme qui reste. Qu'est-ce que vous mettez ? Le reste de crème qui est posé. Je vous sens bête, elle fait exprès pour vous mettre. Laetitia. Pour mettre une pression supplémentaire. Soyez gentil, s'il vous plaît. Si vous voulez goûter. Ah oui, moi je veux toujours goûter. Et la goûter. C'est pour vous. Goûtons. Et maintenant, on va faire le petit crumble de Petit Lu. Je vous débarrasse ça, chef, on le met au frigo. C'est bon, bah, vous allez voir, ça va continuer. Crumble de Petit Lu. Alors, on a besoin de beurre, de sucre roux. Et de Petit Lu. Et de Petit Lu en poudre, en grossière poudre. Donc le beurre, regardez, il est un peu mou. Mm-hmm. On va peut-être le repasser un peu au micro-ondes, oui, chef. S'il vous plaît, Laetitia. Et c'est tout. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à pour mélanger. Alors vous avez des gants, regardez, Manuel, vous avez plein de gants. Je vais vous laisser faire, évidemment. Tac, je mets les deux gants.
Vous voulez que je mette un peu de musique ou c'est bon comme ça? Ah oui, mais c'est très bien. Non, mais bougez pas, mais ah, non parce que des fois que vous mettiez à danser, moi, ce serait pas pour moi. Putain, on va faire 200 000 vues, 1 million de vues, là. Vous vous rendez compte, ça serait top. Hein. Ça serait... Ça, c'est bon. Ça y est, la pression remonte pour moi. Putain, donc... Ça marche pas, moi, je suis mauvais, quoi. Et là, je fais quoi, du coup? Vous mélangez ça avec ça. Ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Si, si, c'est ça. Si, ça. Si, ça. Et je touille. Non, pas encore. Après, on va mettre le tilu. Je mets tout. Mettez tout. Donc, là, le tilu. Vous voyez, quand vous ne faites pas attention, on en met partout. Donc, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'assume vachement ce que je fais. Ok. Et maintenant, vous touillez. Et maintenant, je touille. Avec les deux. Avec une, deux, trois, avec comme une, vous voulez. Avec une, deux, oh, d'accord. Waouh, c'est magique. Hop, voilà. Hop, hop. Avec amour, dextérité encore, tout ça. J'adore. Ça, c'est le mieux, le meilleur. Hop. Ah, il a envie de danser, ce truc. J'ai toujours envie de danser. Moi, je danse avec mon crumble. C'est juste que je peux plus maintenant, vraiment, mais j'ai toujours envie de danser. Ah. C'est vrai que c'est bien, ça. C'est musical. Hop. Est-ce qu'on mettra de la musique tout le temps pour les lives maintenant? Je pense qu'il faudrait, mais oui. Bah, ouais, ça anime. Ça anime. C'est beau? C'est magnifique. Et vous le mettez sur la plaque comme ça? Ou... Je le perçant comme ça, comme vous voulez. Ah, ok. Un peu partout. Mais je vais en mettre partout, j'ai l'impression. Ah, aucune importance, vous ne mettez pas. Là, je mets tout comme ça? Oui, oui. Et puis vous le mettez un peu partout. Ah, bon, ça va s'étaler tout seul. D'accord. Et puis voilà. Et là, vous l'étalez un peu avec votre. Voilà, comme ça, etc. Et là, on met au four. Super, ah, professionnel. Chef, le mets 5 à 10 minutes au four à 180. Maintenant, on va faire la crème. Enfin, vous allez. En fait, c'est vous qui faites tout le manuel. Waouh. Wow. On a du beurre. Ce que j'adore quand même, c'est que Philippe m'avait dit tu ne vas rien faire, ne t'inquiète pas, je fais tout. Et là, je me trouve sur le fait accompli. Alors, c'est pas cool, il va falloir que nous discutions. Avec grand plaisir. Mais là, pour l'instant, on va travailler. Alors, vous avez... Moi, j'utilise du sucre non raffiné, en général. D'accord. Là, pour le coup, on va prendre du sucre raffiné, par rapport à la couleur, par rapport à tout ça. Elle danse pas aussi bien que vous, mais je trouve qu'ils dansent vachement bien, tous les deux. Ouais. Ah, c'est vachement bien. Attention à vous, chef. Voilà, ça, c'est de la gélatine. On la mettra à la fin. On a des œufs. On va les mettre très vite. Et là, on fait fondre le beurre plus doucement. Et on met du sucre, vraiment. Et c'est vous qui allez tout faire. Waouh. C'est bon, Laetitia? Oui, chef. Ça marche, votre truc? Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bon, chef. Ah putain, si j'étais jamais beau. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire le Emmanuel, je fais le mélange dans le tout. Je touille. Non. Alors là, nous avons la décomposition du beurre qui est en train de... Si vous avez un autre petit truc, oui, vous avez raison, vous allez le faire. La Laetitia va faire le simplement pour vous avancer un peu. Mm-hmm. Elle va mélanger le sucre avec les œufs, le jus de citron, et puis après on va le verser là-dedans et vous allez continuer à mélanger. J'adore. Jusqu'à la limite de l'ébullition. Ok. Et après, on a tout fait. Après, c'est fini. Il n'y a plus qu'à monter le verre. Oh là là. Vous voyez, en moins de 10, en un peu plus de 10 minutes. C'est super rapide. Pas très rapide. Vous voyez, là, on a mélangé les œufs, le sucre, le jus de citron, et on va tout verser dessus dans les pénis. D'accord. Ah oui, c'est parfait, je vais pouvoir le reproduire à la maison. Ah bah, c'est hyper simple. Et puis, c'est hyper bon. Et puis, vous allez voir, quand on va le monter, on va assaisonner, on va structurer une base d'assaisonnement, vous allez voir. Ça va être remarquable. Je vous baisse le feu et je vous incorpore du coup. Non, elle va l'incorporer, Emmanuel. Voilà. Emmanuel, merci, ça, sur Emmanuel, pas sur Emmanuel. Avec les petites... Allez-y, Emmanuel. Comme ça. Je mélange le temps que vous versiez. Ok. Je montre à la caméra. Hop, petit angle. Bon, j'en mets la moitié. Alors, sur mon pantalon. On sent qu'elle a l'habitude des caméras, Emmanuel. Hein. Spécialiste. Tac. À vous de jouer. Allez, on va monter un tout petit peu. On met à 7. Voilà, faut... Voilà, tu vous mélanges. Et quand ça arrive à la limite de l'ébullition, on débarrasse. Et c'est fini. On ajoutera juste la gélatine. D'accord. Et puis on débarrasse. Et les ailes de citron. Waouh. Ils sont... Ah, bon, on va assister. Ah oui, les ailes de citron, ils vont arriver. Allez, dis ce qu'elle est. Dans la crème directement. C'est magique. Non. Vous les attendre. Tiens, là-dedans. Mettez-vous là, c'est ça. Comme ça, on peut vous filmer, Camille.
Ouais, bon, moi je vais regarder la quinoa. Hein. J'ai surtout très hâte de goûter en fait. Dans 2 minutes c'est bon. Vous vous rendez compte, ça fait 10 minutes et on a déjà terminé toutes les préparations. C'est rapide. C'est incroyable. Ouais, une fois que c'est pesé, après c'est. Ouais, c'est ça. Vous montez le feu. Montons le feu. Chef, pour les proportions, on aura la recette comme d'habitude. Demain, sur Facebook. Voilà. C'est celle de la semaine dernière. C'est ça, oui, on la remettra demain sur Facebook. On l'avait mis la semaine dernière, mais on la remet demain sur Facebook. C'est plus cool avec la musique quand même. Ah, ben oui, mais c'est ça qui manquait. On va mettre des facettes, beaucoup, des boules à facettes, comme ça. C'est, avec ça. Non, mais sérieux, j'ai tout le temps en boîte, tous les soirs, je me sens. C'est vrai? J'avais mes bouteilles dans toutes les boîtes de nuit de Saint-Jacques-de-la-Mer à Rennes. Mais non. Ah, si, c'est vrai, mais c'est vrai. Bouteille du jean, toujours une bouteille de jean. Du jean? Ouais, à l'époque. D'accord. Sauf pour mes anniversaires, je buvais des ricards. 18 ans, 18 ricards. Défoncé. Je suis plus foncé, je vois. J'ai eu au moins 20, mais défoncé. Oui, c'est quand même pas mal. Il faut les finir les 18. Ouais, c'est pas bien. Ah ouais, non. Faut pas reproduire, hein, c'est vrai. Moi, je pense non. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Boire ou déconner, il faut faire les. Non, non, je vous pas boire. Ne pas j'ai boire. Mis le feu à fond. Elle fait ça pour que vous ayez des problèmes. Vous voyez, il faut la surveiller. Hein. Elle me met. Cool, parce que du coup, elle ne chauffe pas très bien, c'est pour ça la plaque. Hop, on met les zestes de citron vert. Hop. Ah, merci, merci, Laetitia. Merci, merci Laetitia. Tu as vu, elle fait plein de choses pour que vous ayez des problèmes. Hein. C'est cool quand même. Elle me met des petits obstacles. Bah, elle fait. C'est des épreuves. Qui fait ça. C'est comme Koh-Lanta, c'est des épreuves. C'est pareil. Les épreuves du zeste du citron. C'est de la jalousie féminine, c'est incroyable. Hein. Oh non, zéro jalousie. Incroyable. Bien. Elle m'aide. Oui, regardez, ça va bien tout mouiller. Ah oui, il faut bien mélanger là. Allez, sinon, on c'est mélange mort. Bien. Je vais tout recommencer. Puis après, elle a fait du coup la pression. Vous voyez comme ça c'est pissi, ouais. Voilà, ça veut dire que ça va bientôt bouillir. Regardez, j'ai ça sur un citron vert. Mmh, ouais. Hein. Est-ce que la moitié de la recette on va terminer sur ma. Oh bah oui. Oui. Bon, il n'y avait rien et maintenant c'est compliqué. Bah c'est de la farine, je ne sais pas ce que c'est, mais. Ouais. Alors là, il faut que j'accélère un peu. Bah je pense que ça va être bon. Arrêtez 3 secondes et puis on va regarder. Ouais. Allez, encore un tout petit peu, ça va être bon. Ça ébullitionne. Ça ébullitionne. Ah, ça veut dire que c'est bon. Là. On va le débarrasser. Le petit chien, on le met là-dedans. Oui, chef. Alors, regardez, on ajoute juste la gélatine. Pardon. Et je continue à trier. C'est cuit, oui, ah, bah, le petit crumble, on va vous montrer, il est cuit. Oh, on va pouvoir se servir celui-là. Ah, oh, ça sent bon. Ça sent bon. Mmh. Les crumbles de petit jus, c'est ça. Ah, ouais. C'est bon, ça. Vous voyez, la gélatine est en train de fondre doucement. Ouais. Si on prend des feuilles, on les presse bien comme il faut pour enlever l'eau, pour les dedans. Ça, c'est de la gélatine, mais en poudre avec de l'eau, quoi. Vous voyez. Mais ça, c'est prêt. Non, ça s'achète comme ça. Les... Non, c'est de la poudre avec préparer. De l'eau. Oui. D'accord. De... Ça, c'est de la gélatine de poisson. Donc, pas de gélatine de cochon, que de poisson. Il n'a pas le goût de poisson, heureusement. Ah. Un peu du bar, mais pas trop. Voilà, vous pouvez débarrasser. Hop, donc bon. J'enlève du feu. Hop, c'est fini. Allez, je vais vous montrer. Et je mets dedans. Et je verse. Alors, attention, c'est face cam. Ça fait tout, hein. Oh, j'ai failli en mettre à côté, non. Hop, tchac. Et nous allons racler. Bien racler aussi. Bien racler. Alors attendez, je me remets face cam. Mais alors c'est plus compliqué, désolé les amis. Hop. Oui, ça va être fait tout pour vous voyez rien du tout. Entre Laetitia et Emmanuel, ça va être dur. Aujourd'hui. Mais on forme une bonne équipe avec Laetitia. Ah, merci. N'est-ce pas hein merci. Hop. Ça, je... Merci beaucoup. C'est bon, bah voilà. Maintenant, on va mettre un film au contact. Ok. Et au frigo. Alors, j'en ai déjà fait une, évidemment. C'est le temps qu'elle refroidisse. Et ça met combien de temps à refroidir normalement? Oh, une petite heure, c'est bon. Bien. Vous avez? Oui, chef. Attention à vous. Vous voyez? Vous avez? Oui, chef. Super. Allez. Oui. Moi, je connais. Mais faites attention quand vous voulez. Hein. Attention quand vous voulez. Hein. Ok, je prends le côté. C'est chaud quand même, attention. Hop. C'est top. C'est bon. C'est top. Ok, allez, on met ça au frigo et on sort tout le reste qui est prêt. Et c'est on vérifie. Oui, c'est rapide. Oui.
Alors, bougez pas, ne bougez pas. Je ne bouge pas. Don't move. I don't move. Ouais. Là, on a un petit couteau, on ne voit sur rien. On a. Pardon, non, je suis en train de faire une mise en scène. Ça, c'est quoi? C'est la crème mascarpone. C'est la crème citron. Crème citron. Ça, c'est la crème citron qui a été faite hier ou ce matin. C'est ici. D'accord. Vous allez la goûter. L'autre cuillère, c'est celle-là? C'est celle-là. C'est celle-là. Ouais. C'est pareil. Je ne goûte pas, je connais, puis je sais ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai pas envie de me salir, de me blesser ou de. Vous êtes malade. Donc, ça, c'est la crème, une fois qu'elle est prise. Vous avez mis le crumble qu'on a fait en direct. Ah, génial. Super. Merci beaucoup. C'est délicieux. Là, vous goûtez ça. Ça, c'est celui que vous avez fait. Oh. Et qu'on vient de cuire. Voilà. C'est bon, hein. C'est top. Avec des petits loups. Oui. C'est incroyable. Et ça, c'est la crème mascarpone. Alors, c'est celle que vous avez terminée ou pas? Oui, chef. Alors, celle que vous avez faite. Tout ça, c'est celle que vous avez faite. Celle-là, c'est celle que vous avez faite, mais qui sert à prise, pour qu'elle soit prise. Voilà. Wow. Donc, la crème citron, la crème mascarpone, le crumble de tilu, et tout ça va nous servir pour monter la gamelle. D'accord. Donc ça, on n'en aura pas besoin, là, puisqu'on en a déjà. On va tuer juste faire une petite chose, regardez. Alors ça, bon, c'est pas compliqué, c'est juste un petit peu piqué. Donc je commence, puis après vous allez finir. Clap your hands, everybody. Voilà. Il faut enlever la côte. Et en fait, il faut tailler ça. Regardez, comme du papier à cigarette. Oui, ça j'observe. C'est très bien là, l'observation. Vous voyez, c'est vraiment comme du papier à cigarette. Hein. C'est incroyable. Voilà. C'est important parce que si c'est trop épais, en bouche, ça ne va pas être agréable. Si c'est juste pour faire infuser, c'est pas grave. Mais là. Il vaut mieux avoir des petits. Oui, là en fait. Voilà. Waouh! Ça sent très super bon. Super bon, aussi. Hein? Ouais. Là, on va le garder. On se met là. Le petit lu, c'est là. Ça, c'était là. Alors, ça, on va en avoir besoin. Regardez. Décoré. Oui. Comme c'est quand même très acide, forcément, ouais, c'est oui. Du citron vert. Hein. Donc, on va mettre des petits morceaux pour pas que ça soit agressif. Ça, on l'a fait à l'avance. Hein. Oh. Voilà. Comme ça, on en a plus deux. Ça, c'est bon. Là, on a du café en grains torréfié et légèrement concassé. Vous allez voir, avec le citron et le mascarpone, c'est à tomber. Par terre. Par terre. Ouh. Par terre. On y va? Donc, on a les verrines qui sont offertes. On a chacun sa verrine? Ok. Je vous en montre une et vous faites l'autre. Ça vous va comme ça? Ok, j'observe. D'accord. J'observe. Donc là, j'ai un peu de tout. Et Laetitia a fait des petits, comment la semaine dernière? Oui. Des petits ronds en pâte sucrée avec du crumble dessus. Vous avez goûté ça, c'est super bon. Parce que pour manger, c'est vachement agréable, pour manger la verrine. Je vous envie la touche. Oui, c'est gentil. Ah bah non, parce qu'il y a ça. Hein. Le reste, je peux le ramener à la maison. Non, on va pas toucher, ça me dérange pas, on touche pas. On y va? C'est parti. Allons-y. Alors, la j'observe crème. Le maître. Voilà, ça c'est la crème mascarpone. Vous voulez goûter? Toujours. On y va? C'est parti. N'oubliez pas qu'on ne va surtout pas aller jusqu'en haut, hein, sinon. Et là, regardez. En fait, on va. Et vous mettez du crumble, pardon, tout de suite. On met un petit morceau de citron. La crème citron, c'est celle-là. Ça, c'est la crème mascarpone. Vous voyez, sur la crème citron, j'en mets un petit peu. Et en fait, on va simplement faire une sorte de marbrage. Tranquille. Ça, c'est la crème citron. Ah, vous faites comme vous voulez, on s'en fout, il n'y a pas de règle. D'accord. Mais on fait un petit mélange. Oui, vous faites ce que vous voulez. Mélange. Voilà, il faut que ça se mélange. Mais j'en mets très peu quand même. Hein, du... Faut pas que ce soit trop. Ouais, faut pas que ce soit trop fort. Ça, j'en mets pas beaucoup. Là, c'est comme un condiment, en fait. Vous voyez, ça va porter le goût. Ça ne sentira pas beaucoup la menthe. Par contre, regardez, je prends un tout petit peu de café concassé en grain. Brut, hein, comme ça, mais j'en mets très peu. À un moment donné, vous allez croquer dessus, ça va faire... Et ça va faire une sorte de stéréo café citron mascarpone dans la bouche. C'est super bon. On remet un petit coup de crumble. Il est encore un peu tiède, hein. C'est super.
Là aussi, il n'y a pas de règle, vous faites ce que vous voulez. Mm-hmm. Ça, c'est la crème, ça, c'est quoi ? Oui, c'est la crème citron. Allez, encore un petit coup, puis j'arrête. Voilà. C'est bon. Et vous dressez en fait comme vous voulez. Il n'y a pas de règle. Vous avez le code. Oui, merci. Et maintenant, je vous laisse le reste. Hein. Vous voyez, je vous en laisse un peu. Voilà, on met un tout petit morceau de citron. Vous remarquez que c'est des petits morceaux que je mets. Ouais. Très petits. Et là, on décolle, c'est bon. Ça, c'est des petites paillettes. On ne trouve pas en Europe, hélas. Ça vient du Japon. C'est beau, on se croirait à Noël. Ça ah, oui. Voilà, après, je vais nettoyer un petit coup, comme ça, vous allez repartir sur du tout propre. Voilà. Et ça, on met là. C'est beau. Et je vais le faire tomber, évidemment. Et on applaudit. Allez, je nettoie, et c'est pour vous. Merci, c'est adorable. Donc là, vous avez la crème citron qui est là, la crème mascarpone, à vous de jouer. Okay. Et si vous voulez une pâte sur palin, ce que vous voulez, on vous donne. D'accord. Ok, alors j'attaque. À vous. Alors, peu importe avec laquelle je commence. Ça n'a pas d'importance. Prenez celle que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Ah. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé, c'est top quoi. Il n'y a pas de règle, vous faites ce que vous voulez. Ce que je veux. Je suis quand même... Hop. Le crumble. Je vais mettre un peu plus. C'est bon, oh, le crumble. Oui. Mettez-en plein. C'est plein de nutriments. Oui. C'est bon. Pas d'apport calorique. C'est très bien. Un petit morceau de citron, par exemple. Un enfin, vous petit. Faites comme vous voulez. Vous ne dites rien, vous faites ce que vous voulez. Ah non, non, pas dessus. Tac. Donc, ça c'est laquelle? Ça c'est citron. On va mettre le citron. Tac. J'ai mis citron par-dessus citron, c'est bien Emmanuel. Vous faites ce que vous voulez. Hop. Et si je fais plein de petits, comme ça, ça fait des beaux trucs vous sur le côté. Vous faites ce que vous voulez. Oh, c'est beau. Non, c'est magnifique. J'ai toujours rêvé de faire ça. Plein de petits poules. Bah vous êtes bourré, alors. Que vous dansez, vous faites pas de pâtisserie. Non. Il va falloir revoir votre copine. Hein. Je vais le faire. Alors du coup maintenant un peu de ça. Hop. C'est beau les petits ronds comme ça. C'est magnifique. C'est magique. Un alors. Un petit peu de café, un petit peu de streusel. Un petit peu. Un peu de crumble, pardon. Streusel, ça fait très allemand, ça rappelle oui, mon. En fait c'est du crumble. J'adore le streusel, je trouve. C'est très bon. C'est bon. Hein. À la banque, je bois un petit coup. Hop. C'est comme si je n'étais pas là. Vous êtes chez vous. Tac, un petit citron. Oh, j'ai du mal à le prendre. Tac, on un petit peu de café. On peut remplacer par d'autres biscuits, chef. On fait ce qu'on veut. Si vous voulez mettre d'autres spéculos. Biscuits. Spéculoos. Ou une pâte que vous faites vous-même, vous faites ce que vous voulez. Hop. C'est la même recette. Alors, c'est laquelle? C'est celle-là. Je vous mets un petit peu ici, si vous voulez essuyer les mains. Bon, oui, je pense que je vais m'essuyer les mains. En France. Alors là, j'ai tenté de faire quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ah. Pas grave, de toute façon, c'est vous qui allez la manger. Hein. Ah oui, on ne se mouille pas. Si. Hop. Je goûterai la vôtre avec vous. Parfait. Tac. Tac. Une au centre pour terminer. Super. Et je remets un petit coup de ce. C'est-à-dire streusel. Ou d'abord la menthe, qu'est-ce qui est mieux? Comme vous voulez, la menthe je pense d'abord. La menthe vous faites d'abord. Ce que vous voulez en fait, je vous dis ça mais c'est pas alors. Bien. Oh zut, bon, j'ai tout mis dans un endroit, bon, c'est pas grave. Hop, un petit bout de citron. Tac, un petit peu de café. C'est beau, c'est très beau. Ah, mais non, mon œuf. C'est top, vous avez une petite paillette si vous voulez. Hein. Alors, je crois que j'ai un peu trop rempli ma verrine. Hein. Alors, ça n'a pas d'importance. Ne vous inquiétez pas, Emmanuel. Du moment que c'est bon, le reste, on s'en fout. Oh, oh, bon, ça ne fait pas pareil. C'est pas compliqué quand même. Mais apparemment, si. Mais non. Hop, un petit peu de ça. Tac. Oh là là,
c'est mignon. Hein. Oh. C'est très mignon. Ça vient de Chine, donc. Non, Japon. Japon. C'est comme des feuilles d'or, en fait. Hein. C'est la même chose. Feuilles d'argent, feuilles d'or, en paillettes. Tac, 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 tac. Je sais pas combien de carats ça fait. Non, c'est vrai ce que je dis. C'est vrai. Non, c'est... Mais je sais pas. 6, 12, 12, 24. Et on ajoute le petit biscuit. Ouais, tada. C'est top, non? Ah, c'est bien. Bravo, chef. Merci. Oui, super. Je ne pas jusqu'à... Il faut juste le tourner pour que les gens ne voient pas que j'ai raturé. Hop, voilà, là c'est plus beau. Merci, super, regardez comme c'est mignon comme tout. Attention, voilà. Attention, je vais juste que la mienne t'es quand même un peu plus mature. Non, non, on s'en fout. L'important, c'est que ce soit bon. Merci beaucoup, Laetitia. Regardez comme les gens. Merci, Laetitia. De rien. Ah ouais, c'est bon, on va manger. Allez, okay. Manger, parfait. On va manger. C'est le meilleur moment. Mmh. Moi, je préfère. Hein. Hop. On laisse Camille prendre une petite. Bon, alors, ça vous plaît? C'est top, je vais le refaire chez moi, pour mes invités. Et c'est d'une simplicité sans déconner. Ben oui, c'est vrai que c'est rapide, c'est vite fait. Mmh. Et ça a l'air bon. On n'a pas encore goûté, mais vous ça a l'air goûté. Bon. Okay. Vous tapez dans celle que vous voulez, considérez que c'est les deux sont à part. Et si vous voulez taper, vous avez un petit biscuit et vous faites ça. Mmh, allez, mangez celle bien. Qui vous fait plaisir. Alors je vais quand même goûter celle du chef. Alors je devrais commencer par la mienne pour ne pas être déçu. Non, non. Donc je vais commencer par la mienne. C'est les mêmes ingrédients. C'est bon, mêmes ingrédients. On va prendre, hop, prendre un peu de ça. On va prendre un peu les deux crèmes. Tac. Et dans la bouche. Mmh. Vous voyez pourquoi il ne faut pas monter trop haut quand même, parce que je prends de la crème. Mmh. Mais et si vous prenez un petit morceau de citron, vous allez voir, ça va vous rafraîchir le palais. Vous avez une cuillère si vous voulez, si vous préférez. Oh, ça va être gourmand. Mais c'est vrai que le café, j'ai eu un petit grain du coup, et mmh. Ça... Non, mais peu. Hein. Vous avez vu, c'est vraiment mmh. Peu. Hein. Hop, un petit peu de citron. Mmh. Petit, hein, faut mettre des petits morceaux, sinon après ça va être trop agressif dans la bouche. Ça, je m'attends. C'est plutôt pas mal. Super, Emmanuel. Ah non, vraiment très bon. Petit cas, oui, Emmanuel, c'est bien. Ça va bien sortir. Maintenant, il faut que je goûte celle-là. Allez-y, c'est bon. Très vous. Important, hein. Quand même. Hein. Faut laisser. Faut montrer au public. Alors. Ah, je vais prendre un petit bout de citron avec. C'est bon, c'est bon. Voilà, super simple. Et c'est bon. C'est top. Vous avez voulu. Excellent. Non, j'ai goûté la bouche. Ah, oh, c'est gentil. C'est juste pour faire plaisir. Hein. Mmh. C'est vraiment bon, simple. Bah, c'est vraiment bon. Mmh. Mmh. Je sais pas, je oh, mais je m'en vais. Au revoir, merci. Mmh. Vous avez fait une super recette quand même. Mmh. Non, c'est bon. Ah, vraiment. Vous imaginez, vous la dressez, vous la passez un quart d'heure au frigo, c'est encore plus frais. Ouais. Mmh. La température, c'est un peu. Bon, bah, un petit mot, Emmanuel, pour dire au revoir à tout le monde. Un petit mot, bah écoutez, je suis nulle en cuisine, en pâtisserie. Et là, très honnêtement, c'est ultra simple, c'est très 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 bon. Et bah, je vais reproduire. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est un petit rêve de gamine à qui vient de se réaliser. Un grand plaisir. Un grand plaisir. Donc bah, je suis ravie. Maintenant, je peux aller danser avec vous. Allons-y. Pas tout de suite, on va faire ça tranquille. Ouais, après le live. Hein, on tranquille, cool, à l'aise, blesse. Ça vous va ? Oui, top. Super. Emmanuel, merci beaucoup. Et merci. Merci alors, à vous. Merci à vous. Faire un bisou. Merci beaucoup. Oh, c'est top. Vous revenez pour ça la semaine prochaine. Et ah bah oui, avec grand plaisir. Merci. Ma femme ne regarde pas, c'est bon. Passez une très bonne journée, Emmanuel. Merci. Merci beaucoup d'être venu. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci, Tia. Merci, chef. J'ai dit le petit mot pour la semaine prochaine, comme quoi on commence. Allez-y. On commence les lives salés la semaine prochaine avec le chef. Salut. On fait un petit parfum thon coco. Feuilleté. Un petit parfum feuilleté. Comme des pailles en fait, comme des. Ah, donc du coup on commence le salé à partir de la semaine prochaine et on fera je pense une semaine sur deux. Un coup sucré, un coup salé. En fait j'ai beaucoup cuisiné dans ma vie. Les gens savent moins mais j'ai fait beaucoup de cuisine. J'ai été chef de cuisine et maintenant on va faire un peu de salé.
Ben, je viendrai pour lui saluer. Avec grand plaisir, Emmanuel. Super, merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, cher. Au revoir. Passez une bonne semaine. Et puis, avant qu'elle le mange. Oui, moi je prends bien. Salut. Bonne semaine. Ciao.